Bonjour à tous, on se retrouve pour le tuto de Invisible Corner. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc je vous avais proposé une vidéo auparavant pour présenter le même effet mais avec un procédé différent. Là c'est tout à fait différent, vous n'aurez rien dans les mains. Ça se passe avec du fil invisible. Donc il vous faudra du fil invisible. Donc moi je prends là, alors en ce moment j'ai que du fil pour le Venom de Magic Factory. D'accord, donc je prends celui-ci, il est solide mais assez voyant. Je vous conseille de ne pas prendre celui-là parce que moi j'avais celui-là sous la main, que celui-ci sous la main. Prenez le Fersen. Il y a plusieurs types de fils, vous verrez. Plus ou moins épais, plus ou moins fin, mais moins solide, bien sûr. Plus il sera fin, moins il sera solide. Mais assez transparent. Celui-là, ils ont un peu. Mais si vous le faites avec des bonnes conditions de lumière tamisée, celui-ci est très bien. D'accord. Et si vous pouvez en trouver un autre, ça sera mieux. Donc vous aurez besoin de deux cartes, du scotch, une paire de ciseaux. Et pour vous montrer comment on met le fil, je vais prendre du fil blanc, comme ça, et je vais le placer sur la carte, comme ça vous verrez exactement où il faut placer le fil invisible. Parce que si je vous fais avec le fil invisible, vous allez rien voir. Donc voilà, donc c'est un tour assez sympa. Après, je sais pas si je le ferai tout le temps comme ça. Si des conditions s'y prêtent, c'est-à-dire une lumière tamisée, pourquoi pas un petit délire en disant regardez, hop, je suis sauté la carte, hop. Voilà. Il existe des routines et il existe un moyen aussi de donner la carte à l'examen après. Mais je ne veux pas vous montrer parce que ça prend trop de temps. Donc je vais juste vous montrer comment mettre le fil invisible et faire flotter la carte. Voilà, je vous expliquerai pas le reste parce que c'est un peu long à faire. Donc on se retrouve tout de suite pour la construction du gimmick. Donc premièrement, vous allez enlever le coin d'une carte, peu importe laquelle. Donc vous déchirez le coin de la carte, à peu près comme ça. Ok. Vous pouvez faire plus petit, plus grand, peu importe. Ensuite, on va placer le fil. Donc je prends un fil blanc, d'accord, qui remplacera le fil invisible pour que vous voyez bien. Donc sur la première carte, vous allez passer votre fil le long de la carte ici. Donc vous allez mettre du scotch, okay, sur votre fil invisible. Donc des petits bouts de scotch le long du fil, ici et ici, vous mettez du scotch. Et vous laissez dépasser une petite boucle ici. C'est avec ça que vous tiendrez le fil invisible entre votre pouce et l'index pour faire flotter la carte. Donc vous laissez sortir. Vous faites une boucle à peu près de cette longueur-là. Et vous faites pareil de l'autre côté. Et pareil, vous prenez votre scotch et vous allez scotcher le fil invisible ici sur la carte. Ici. Et vous coupez l'excédent de fil. Voilà, pas besoin de mettre non plus beaucoup de scotch. Et ça, si vous voulez, ce sera grâce à cette carte-là qu'on va pouvoir faire flotter cette carte. Et là, vous avez fini votre gimmick. Ça prend 5 minutes. Et donc, si on met. On est comme ça. OK? Et donc normalement, vous avez la boucle ici, vous avez le support ici, ça tient comme ça. Okay. Et vous tenez avec votre boucle, ah, ça s'est décroché ici. Je vais remettre un bout de scotch. Voilà, quand vous tenez, vous êtes là, je vous montrerai qu'après avec le vrai fil, quand vous êtes là, vous montrez la carte des deux côtés, vous pouvez montrer qu'il n'y a rien ici. D'accord? Et automatiquement, vous tirez, ça va tenir, cette carte-là va tenir le fil, et vous faites glisser votre pouce et votre index tout doucement, comme ça. Et vous êtes prêt à faire la lévitation. Vous pouvez tourner comme ça, monter, descendre, et si vous voulez retourner la carte, vous pouvez aussi. Mon scotch ne tient pas ici, vous avez vu, c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez créé votre boucle, et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir faire tenir la carte en l'air.
Et après, vous la récupérez dans la main et vous montrez qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez pas laisser à l'examen, hein, d'accord? Mais c'est juste un petit délire comme ça. Donc, je vais vous montrer avec le mien. Donc, ici. Ici. Donc, là, j'ai le fil invisible, ok? Donc, là, on ne voit rien. Et là, il y a du scotch, mais on le voit à peine, d'accord? Et vous montrer qu'il n'y a rien en touchant ici. D'accord? Et même mon fil invisible est ici, mais vous ne le verrez pas. Donc, je suis là. Je pose ma main. Faut pas faire ça. Faut pas tirer les deux mains. Ok? Faut pas faire ça. Il faut poser comme ça et vous amenez la carte sur la droite. Et vous sentez que là, il y a une tension. Et là, vous pouvez faire glisser votre pouce et votre index tout doucement sur la carte, ici. Il faut bien tirer, hein. Il faut toujours qu'il y ait de la tension entre la carte ici et le paquet ici. Si vous ne tirez pas, vous voyez, la patte droite, elle va bouger. Alors que si vous tirez bien, elle va rester droite et là, vous pouvez faire vos mouvements circulaires. Comme ça, vous pouvez la monter, la descendre. Et si vous voulez la tourner, vous pouvez aussi. Il faut bien tirer sur le fil. D'accord? Et après, pour récupérer la carte, vous la mettez dans votre main. Comme ça, et vous montrez qu'il n'y a rien ici en touchant. D'accord? Donc vous posez votre main, vous lâchez, vous êtes prêt à faire votre effet. Et vous mettez dans votre main. Donc voilà. Donc c'est un petit délire comme ça, je trouve ça sympa à faire, une petite soirée vite fait. Je trouve ça très cool. Le procédé est vraiment sympa. Je connaissais pas cette technique et voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tours. Merci à vous. Bye bye.